Eh bien bonsoir à tous, ici Dara Menel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale car on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut réellement gagner dans ces coffres. Et il y a surtout une question à laquelle pas mal de monde s'est posé, c'est est-ce que c'est plus rentable d'ouvrir en quelque sorte coffre par coffre ou d'accumuler plusieurs coffres pour les ouvrir par exemple. Bah de toute façon on peut en ouvrir que 50 à la fois, mais pourquoi ne pas en accumuler 200 et ensuite ouvrir les 200. Donc il faut savoir que dans ces coffres, il y a trois types de coffres. Il y a deux fois PVP chest et une fois PVE chest. Donc me demandez pas pourquoi il y a deux fois PVP, probablement parce qu'un des coffres ça va être pour les mineurs et l'autre pour les vaisseaux de combat. Et les coffres PVE, donc ce sont tout simplement les hostiles qu'on tape. Donc dans les coffres PVE, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement typiquement du 32 dans les S1, autrement ça va être des petits niveaux dans les S1, 15, 16, voilà pour les events de S1. Ensuite on va avoir pour les gros, voilà je tape du 37 environ, du 35 et 37, ça va être essentiellement ça. Donc chez les Klingons, donc logiquement on devrait gagner pas mal de plans de vaisseaux Klingons. Avec un peu de chance de type oula attendez, non ça c'est les Romuliens, je suis allé trop vite. Donc ce serait peut-être des plans de Brel, Portas, voilà. Le Portas je vais pas le construire, le Brel non plus. De toute façon j'aurais pas assez de plans. Il aurait fallu que je tape plutôt chez la Fédération parce que réellement l'intrépide est assez intéressant. Et le Gladius aussi est assez intéressant, mais j'ai pas tapé chez les Romuliens. Donc, voilà, j'ai pas construit le Brel. Donc c'est un peu dommage, mais maintenant, je commence un peu à taper. Je sais plus où c'est. Ouais, ici, il me semble. Ah non, 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 absolument pas, c'est toujours ici que je tape. Maintenant c'est ici, voilà, il faudrait que je trouve un autre système pour pouvoir taper des bons vaisseaux qui sont pas chez les Klingons, parce que j'aime pas les vaisseaux Klingons. Donc on a aussi, je tape aussi du 33 et par ici avec les events de faction, autrement à Haïti, Andoria, voilà. Donc on va voir en soi un peu ce qu'on va gagner. Je vais surtout voilà, voir les premiers coffres. Donc là on va voir les 10 premiers coffres PVP. Ah, rien d'exceptionnel hein, c'est PVP, c'est-à-dire que je tape de l'horizon maximum hein. Et ici on va en ouvrir 50 d'un coup, donc encore des coffres PVP. Voilà, c'est bien évidemment, c'est nul. Hein. Le seul truc qui est intéressant, c'est l'XP d'officier, mais bon, c'est logique. Il faudrait que je tape que du Saladin, du Centurion, etc. pour avoir des bons coffres. Donc voilà, ça va prendre pas mal de temps à tous les ouvrir. Donc ce que je vais faire, c'est que je sais même pas si je vais tous les ouvrir. Hein. Mais ce que je vais faire, c'est que, en tout cas, je vais peut-être ouvrir les, je sais pas, les 260 premiers. Et ensuite, je vais mettre en accéléré. Donc voilà, on va ouvrir. Ça fait un moment que j'accumule ces coffres. Un plan de Bortas déjà. Plutôt pas mal. Même si, comme j'ai dit, je vais pas le construire. Ah, rien d'exceptionnel. Hein. Assez intéressant de voir quand même que je peux déjà gagner un plan de Bortas. On va pas se mentir, c'est assez intéressant. Encore une fois, rien d'exceptionnel. Donc il y avait... On va peut-être un peu répondre à la question, un deuxième plan de Bortas, voilà. À la question, est-ce que c'est plus intéressant d'ouvrir les coffres 1 par 1, 50 par 50, 200 par 200, 1000 par 1000. Alors là, vraiment pour avoir testé un peu, il y a un truc qui est sûr, c'est que un plan de Brel déjà. Un plan. Donc c'est pas mal. Il y a un truc qui est sûr. C'est qu'il faut absolument les ouvrir au minimum 50 par 50. Donc un plan de Centurion, un plan de Bortas. Pas mauvais. Bon, à la vitesse à laquelle ça va en fait, 50 par 50, ça va relativement vite. Donc je pense que je vais continuer à tous les ouvrir et peut-être ouais, directement tous les ouvrir. Donc comment on sait si un coffre il a beaucoup de valeur ou s'il a peu de valeur? Déjà ben, ça va être par rapport au vaisseau qu'il y a dedans. Hein. Centurion, Bortas à chaque fois, deux plans d'horizon minimum, c'est vraiment des bons coffres, hein. On va pas se mentir, c'est vraiment des bons coffres. Sincèrement, un deuxième plan de Brel, donc là je suis déjà à deux,
C'est-à-dire que peut-être qu'à la fin j'aurai peut-être 10 plans de Brel. J'essaie de faire des calculs pour savoir si c'est peut-être intéressant que j'aille 2 plans de Bortas. Ouais, en fait le truc c'est qu'on débloque en tapant entre du 33 et du 37, parce que c'est exactement ce que j'ai tapé, hein. Enfin surtout 35, 37, hein. On peut débloquer des plans de vaisseau tier 2 faction. Non, tier 3 faction. Donc Saladin, Bortas, Centurion assez facilement. Mais ça, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, il me faudrait plus des vaisseaux de type Brel, Intrépide, Gladius. Et on peut voir qu'on ne gagne pas beaucoup. Donc, pour les avoir, il faudrait surtout que je tape des vaisseaux plus haut. Donc, à un Gladius, deux Valkis. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faudrait que je me rappelle de où je suis allé pour avoir ces vaisseaux en fait. Il faudrait. Mais le problème qu'il y a, c'est que si je débloque un Gladius, il va pas vraiment me servir. Il faudrait en fait que je débloque soit le Brel, soit l'Intrépide. Pourquoi? Pour l'avantage. Comment on dit ça? L'avantage dans le triangle de combat. C'est-à-dire que le Gladius et le Saladin sont deux intercepteurs. Ça me sert à rien d'avoir deux intercepteurs. Autant que j'ai un Intrépide ou un Brel pour avoir un explorateur ou un cuirassé. Comme ça, j'ai intercepteur avec mon Saladin. Voilà. Là, on peut voir qu'ils sont déjà moins bons les coffres. Hein. Donc là, on est déjà sur la redescente. Hein. Pour avoir justement un Saladin, donc un intercepteur. Ensuite, le plus important, c'est d'avoir un cuirassé, un explorateur. Donc avoir un Gladius, ça me servirait pas à grand chose. Mais le désavantage de ça, c'est que si je veux avoir un cuirassé, comme pour avoir un Intrépide, c'est-à-dire qu'il faut que je tape sur la Fédération. Mais si je tape dans la Fédération, je perds des points de faction Fédération. Et là, mon but, c'est de pouvoir atteindre, je crois que c'est les 10 millions, pour pouvoir bloquer justement la Fédération, en fait. Comme ça, je pourrais ensuite taper dans la Fédération. Donc, ouais, au final. Ouais, c'est. Ouais. C'est plutôt pas mal, mais on va dire que. Ah, je vais aller voir surtout combien j'ai gagné de plans, etc. Hein. C'est ça qui m'intéresse. Alors, Brel, j'ai gagné 5 plans. Bortas, j'ai gagné 16 plans. C'est pas dégueu, sincèrement. J'avais déjà un plan d'Intrépide. Centurion, j'ai 11 plans. Gladius, j'ai gagné 3 plans. Le Valkis, 4 plans. Et puis après, bon, tout cela, on s'en fiche un peu. Hein. Et c'est. Sincèrement, c'est pas vraiment trop dégueulasse parce que je me dis que là, j'ai vraiment. Je commence que maintenant avec un Saladin qui a un bon niveau en puissance, mais qui a. J'ai pas encore un équipage extrêmement intéressant. Le vrai équipage qu'il faudrait pour un Saladin, pour taper de l'hostile, ça serait. Alors, c'est. Comment c'est? Pike, il me semble. Pike que j'ai toujours pas, voilà qui est là, qui me permet grâce à ça de booster de 20% la capacité des officiers. Et ensuite on met Moro. Alors Moro je l'ai, mais pas du tout. Hop, hein. Moro, où est Moro? Là. Pas du tout. Hop, non ça va en fait. Qui permet voilà de réduire la pénétration d'armure, pénétration du shield et la précision des hostiles de 40%, et il me semble que le dernier c'est Shen. Shen que j'ai, voilà, qui est plutôt bien, on va dire, bien augmenté. Si je veux l'augmenter, il faut que je la promote avec un badge. Et justement, avec ça, je pourrais vraiment taper des gros hostiles. Parce que justement, j'ai vu un joueur qui avait un de mon alliance qui avait un Saladin à 900k et qui prenait quasiment aucun dégât. Et forcément, je ferai une vidéo là-dessus, mais il y a quand même un gros impact entre la puissance du vaisseau et la puissance de l'équipage. Et voilà, j'ai beau avoir augmenté mon Saladin en niveau de puissance, l'équipage derrière ne suit pas beaucoup. Parce que je ne suis qu'au niveau 30, et puis lui, il était niveau 33. Donc forcément, 3 niveaux de plus, ça permet quand même
de bien augmenter la puissance de l'équipage. Voilà. C'est pas comme ça que je vais les avoir, mais bon. Il faut continuer de débloquer un maximum. Et puis je pense que voilà, probablement un des prochains packs que je vais acheter, ce sera très clairement, ce sera quasiment obligatoirement un pack d'officiers. Pourquoi? Parce que il me faut ces badges bientôt. Enfin, il faut déjà. Je dois déjà en avoir en fait quelques-uns. J'ai déjà dû en débloquer quelques-uns, notamment dans les coffres. Pour pouvoir augmenter des officiers. Parce que je commence à être au bout des officiers. Hein. Des officiers au moins de base. Donc il va falloir que je commence à débloquer ces badges pour pouvoir continuer à les augmenter. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer? Combien de coffres faut-il ouvrir à la fois? Parce que c'est pas parce que je viens de débloquer 1200 coffres que je peux dire si c'est bien ou pas bien. J'ai quand même pas mal recherché dessus quand je débloquais mes horizons. Je voulais trouver le moyen le plus rapide de les débloquer. Donc je peux vous recommander d'ouvrir les coffres. Ce que je vous conseille, c'est 200 par 200. C'est-à-dire tu accumules 200 coffres si t'as la force. Personnellement, moi je faisais de 100 en 100. Chaque jour, j'essayais d'avoir 100 coffres. Et ensuite, je les ouvrais le soir. Et sincèrement, comme ça, tu débloques bien plus facilement des bons vaisseaux que si tu débloquais, on va dire, 20 par 20. Parce que j'ai essayé, hein, des fois, je fais du 20 par 20. C'est-à-dire que chaque run, je débloquais 20 vaisseaux. Enfin, je débloquais 20 coffres. Je faisais 20, 20, 20 et j'avais au final moins de plans d'horizon que si j'en avais débloqué une fois 50. Alors la différence c'est pas énorme, hein. Ça se compte peut-être en un ou deux plans, mais sur 10 allers-retours on va dire, tu peux débloquer 10-20 plans en plus. Hein. Donc au final, je vous conseille vraiment de les ouvrir le plus grand nombre, le meilleur en fait. Et éviter de mélanger comme moi j'ai fait. Typiquement, c'est-à-dire qu'il faudrait plutôt en fait faire une session, par exemple, je sais pas, tu veux taper ici. Tu tapes ici. Ensuite tu ouvres tes coffres. Et si tu veux aller faire des essaims, c'est très important d'ouvrir ces coffres de niveau 33 par exemple, hein, qu'on peut trouver à Kaizu. Parce qu'on a tapé du 33, 32, 33, 34. Avant de les mélanger typiquement avec du niveau 16, par exemple ici pendant les events dessins. Parce que ça va un peu, on va dire, ces petits niveaux vont un peu salir en fait les coffres de plus haut niveau. En tout cas, je peux pas être vraiment sûr de ça, mais en tout cas, moi si j'étais toi, j'ouvrirais individuellement. Pour pas vraiment mélanger. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Daramenel sur Star Trek Fleet Command.